3-4-8-3-0, j'en profite, j'avoue. Ok. J'ai de la souffrance en moi, je m'en fume pour l'évacuer. Je dis que j'arrêterai tout ça, mais 2 heures après, obligé de fumer au début. Je me disais qu'il ne fallait pas y penser, mais quand tu restes seul, tu es dans le coma de tes pensées. Seul dans mon esprit, moi, tout le temps j'y pense. Au fond de moi, un garçon bien, mais bon, qui souffre en silence. Un garçon qui ne montre pas ses soucis, car ce souci des autres reste un autre souci. Ce garçon dans sa vie a connu des hauts et des bas. Au lieu de monter l'échelon, il reste piégé tout en bas. Il faisait souffrir son entourage avec des lettres qui font peur. Mais dans ses textes, il prend le large qu'il écrivait avec ses pleurs. Ce jeune homme se sentait pas bien car il pleurait tous les soirs, versait des larmes pour rien. À peine même son désespoir voulait quitter le blanc, atterrir dans le noir. Ne savait plus quoi faire et s'est remis à boire. Il se mit à penser qu'il est né pour construire une vie. Mais grâce à son gâchis, il perd vraiment beaucoup de lui. Il ne s'attend plus à rien car lui n'est vraiment pas à l'aise. Il aime vraiment sa mère nommée Marie-Thérèse. Il se lança dans le rap pour l'aider à s'exprimer, parce que sans un bout de papier n'arrivera pas à s'engager. Le stylo à la main pour transpirer sur les rimes, remplir le papier de rimes, c'est ce qu'il appelle commettre un crime. Le jeune adolescent qui ne se sentait pas très bien écrivait de plus en plus et parlait de moins en moins. Sa famille était fière car il pouvait aller très loin. C'était une veine pas d'internet mais juste de ses propres mains.